Tout de suite sur Bobo TV, la chasse au son avec Bobo. Retrouvons Bobo pour une nouvelle mission. Précédemment, tu as découvert le bloc ET qui fait le son E et que l'on trouve à la fin du mot poulet. Cela te fait un nouveau gros bloc de feu. Félicitations, Bobo. Et aujourd'hui, tu vas partir à la recherche d'un gros bloc de glace au son étrange. C'est le bloc GN, qui se trouve dans la forêt des araignées. Bon courage, Bobo. Bobo est arrivé dans la forêt des araignées. Tend bien l'oreille et écoute le son du bloc GN. Nya. Oh, nya, 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 nya. Bleu, une araignée. Suis. Hey. Nya. Très. Trop. As-tu bien écouté le son du bloc GN? Oui. Il fait le son nia, comme dans le mot araignée. Ouais. Mission accomplie, Bobo. Tu as ramené à la grotte le gros bloc GN. Et il fait le son nia, comme dans le mot araignée. Ouais. Nia. Fusionnons-le avec un bloc de feu pour faire un méga bloc. Associons ce gros bloc GN avec le bloc E accent aigu. Nia. Et. Nié. Waouh. On obtient la syllabe nié que l'on entend dans le mot souligner. Ah oui. Et aussi dans gagner. Eh oui, c'est vrai. Tu as raison. Joli travail, les amis. Place maintenant au défi de Dino. Les sons cachés. Cette petite canaille de Dino a caché 3 blocs. Écoute bien les sons et trouve derrière quel rocher se situe le bloc GN. C'est parti. Nya. Ch. G. Écoutons encore une fois. Nya. Ch. G. Facile, non? Si tu penses avoir trouvé, mets la vidéo sur pause et va dans les commentaires pour écrire 1, 2 ou 3. Puis, regarde la fin de la vidéo pour voir la réponse. C'est bon? Tu as fini? Alors vérifions. Si tu as écrit 1, bravo! C'était la bonne réponse. Nya. Si tu t'es bien amusé avec Bobo et Dino,
alors pense à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et si tu viens de découvrir la chaîne, clique sur la tête de Bobo et abonne-toi.